Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à F17 Challenge sur Amiga, une fois n'est pas coutume. Comme quoi, je sais pas si vous avez compris un petit peu le temps de chargement de ce genre de jeu. Quand on dit que c'était mieux avant, pas pour tout. En tout cas, pas ce qui concerne les temps de chargement, on se plaignait à l'époque déjà de la 32 bits, du format CD que c'était long. Mais alors le format PC en cassette, en disque, etc., c'était quand même super long. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va jouer à F17 Challenge. Pourquoi F17 évidemment? Parce que c'est la Team 17 qui a créé ce jeu. On connaît la Team 17 surtout pour les Worms en général. Peut-être un ou deux jeux, je crois quand même. Les Lemmings d'ailleurs, qu'ils ont fait. Oh, c'est fait par Team 17, les Lemmings, hein, il me semble. Et donc là, ils ont fait un jeu de Formule 1. Alors pourquoi pas, mais est-ce qu'une équipe qui fait totalement d'autres types de jeux va pouvoir faire un jeu qui n'a rien à voir tout en étant aussi bon? Ça reste à savoir. Donc c'est parti. On va voir un petit peu les options. Moi j'ai un jeu qui est vachement fort, j'espère que pour vous ça sera bon. Alors, on peut changer la couleur de la voiture. Donc là on a une Ferrari, là on a une voiture qui n'existe pas, là une voiture verte, une voiture jaune. Alors ouais, on a quelques choix de voiture, mais il n'y a pas de licence, hein. Aucun pilote existant. Alors, ce qui est intéressant, je trouve que ça là, c'est que ça là ressemble un tout petit peu, vous allez voir si on joue avec, à la Benetton de 92, 91 à peu près. Donc, reste à peu près dans le contexte. On peut choisir la vitesse automatique ou manuelle. On peut accélérer avec les boutons ou avec le stick. On va regarder les boutons. On peut changer le nombre de tours. Alors, moi, je vous propose de mettre 5 tours, hein, tout simplement, pour voir un petit peu le jeu. Game mode normal, arcade, level auto. Bon, on va laisser normal. Level average, pro, rookie, on va laisser average. On peut éditer les noms. Vous savez que, comme dans beaucoup de jeux, on peut s'amuser à renommer toutes les équipes en fait pour avoir des équipes comme à l'époque. Alors, des fois il y en a qu'on pourrait imaginer comprendre, hein, par exemple Roundel, ça pourrait être Blundell par exemple. Je pense que Pleasant, je pense que c'est Jones, ça pourrait être Alan Jones, mais Alan Jones c'est déjà plus là à l'époque. Qu'est-ce qu'on aurait d'autres? Les teams Svensk pour Penske par exemple, pourquoi pas. Voilà, mais bon, après ça reste vraiment très très limité, il n'y a pas trop de. Ils sont pas amusés à forcément faire des noms qui se rapprochent vraiment de life. Allez, on va faire quitter, on va pas changer ça, de toute façon on s'en fiche. On va revenir en arrière et je vais vous montrer vite fait le jeu. Alors pourquoi, on me demande pourquoi je fais rarement des jeux de Formule 1 sur les consoles avant les 32 bits, c'est-à-dire PC et 16 bits, voire même 8 bits. C'est parce que c'est souvent la même chose. Honnêtement, à l'époque, autant on gueulait sur des jeux qui étaient similaires, genre les Call of, les FPS, etc. Autant à l'époque, les jeux de voiture, sans déconner, sur 16 bits, mais c'était toujours pareil, quoi. Enfin, c'était le système scrolling. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais pas cracher sur le jeu, hein, pour autant que je cracherais sur ce jeu en particulier, mais c'est quand même très très similaire à chaque fois. Alors, je vous propose de faire une course. Une course sur simple. On a donc quelques circuits, donc l'Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil, l'Espagne, San Marin. Donc on a l'impression qu'il y en a un petit peu qui ont pris les circuits qu'il y a exactement en Formule 1. Pourquoi pas, hein? Le Canada, la France, la Grande-Bretagne, la Germanie, il y a beaucoup de circuits. Ça par contre on ne peut pas leur reprocher. Il y a quand même le choix, on a quasiment toute une saison de Formule 1. Alors ce que je vous propose, c'est prendre le Grand Prix Monaco pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant dessus, ou si c'est pareil par rapport aux autres. Comme c'est un circuit en ville. Alors on va faire une qualification et après on va faire une course. Donc c'est parti et évidemment les temps de chargement. Pas de chance de pluie, pas de temps en retour renseigné, donc pour le moment tout va bien. Ça va être à mon avis assez facile à battre un temps 99 minutes. Je pense que vous aurez quitté la vidéo bien avant ça. Ah, les jouets des disquettes. On est en temps réel, hein. Temps réel de chargement des disquettes de l'époque, donc il n'y a pas plus, pas moins. Voilà, donc c'est parti. Et voilà, bienvenue à Monaco. Enfin, Monaco, oui, si on se réfère au fond d'écran derrière nous. Mais potentiellement, il n'y a pas grand-chose. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que le son du jeu est pas très élevé, mais alors pas du tout. Je pense que vous allez rien entendre de votre côté. Et vous, comme le son est vraiment très bas, attendez, on va faire start. Voilà, je vais essayer d'augmenter un peu le son du jeu, ça me paraît vraiment vraiment super bas.
Pourtant, on avait bien mis le son au maximum. Alors, on va mettre à 1 hein, parce que le son est vraiment superbe. Voilà, donc le Grand Prix de Monaco. Alors, pour moi, ça ressemble pas du tout au vrai circuit. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui correspond à quoi. Bon, il y a des virages, ok. Il va falloir apprendre le circuit par cœur. On ne voit pas le circuit autour de nous, donc on ne peut pas savoir où on en est, quand on va être les prochains virages, donc c'est un petit peu du tâtonnement. C'est une énorme erreur, moi, je trouve, pour ce genre de jeu, puisque si vous ne pouvez pas anticiper, parce que c'est quasiment impossible d'anticiper à moins de connaître par cœur. On entre dans le tunnel. On a failli. on a percuté complètement la tour devant nous. On sort du tunnel, donc normalement il y a un virage à gauche puis à droite. Ben voilà, donc on. Comme vous pouvez vous y attendre, le circuit ne correspond pas à ce qu'il y a vraiment dans la réalité au niveau du tracé. Alors vous avez pu voir que quand on s'est crashé, la voiture s'est affichée dans un simili 3D. Alors je pense que c'est du pré-rendu, hein, il n'y a pas vraiment de 3D à l'époque, ce jeu est trop vieux pour qu'il y ait la 3D, je pense. En tout cas, une 3D bien réalisée. Dans tous les cas, voilà, le circuit n'est pas fidèle. On reconnaît juste les décors pour dire qu'on est à Monaco, mais ça s'arrête. Hein. Alors c'est vraiment très très faible au niveau du son, bon écoutez tant pis, hein, j'ai un petit peu vous massacré le son du jeu. On va essayer de dépasser la voiture devant nous, c'est parfait. Alors il y a aussi, je ne vous ai pas parlé de la HUD effectivement, donc on a le temps autour en haut. Ouh, on s'est planté comme il faut. On a le temps autour, voilà en haut à gauche, on a la kilomètre, la boîte de vitesse, le nombre de dommages, les meilleurs tours des opponents et notre meilleur tour à nous. On a le meilleur temps donc en 1:34.263. On a fait 2 tours sur 2. On a que 2 tentatives en fait pour faire un meilleur tour. Et on a une position. Pour l'instant, on est premier sur 1, ce qui est logique. Alors je suis à fond. Pour l'instant, ça passe super bien. Pas de réglage aussi. Dans le jeu, on ne peut pas régler le véhicule. Ah, on a un petit effet d'étincelle. Alors ce qui va se passer aussi dans le jeu, c'est que si vous avez trop de dommages, la voiture va être au ralenti. Ça va être quasiment impossible de finir la course comme ça. J'ai pris un arbre, ok. Avec l'effet aussi quand on passe sur un vibreur, on sent un petit effet dessus. Voilà, donc pourquoi je trouve pas forcément les jeux de F1 très intéressants de l'époque. Ah bah là par exemple, voilà, je suis à 95% de dommages, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je suis bloqué. Je suis bloqué à 194 km/h. J'ai eu la dernière fois le même problème, hein. Je me pensais que c'était un bug, mais en fait non, non, c'est parce qu'on a trop de dégâts. Et du coup, bah, quand on a trop de dégâts, bah, voilà, la voiture est trop ralentie, ce qui est logique. Donc c'est pas visuel, c'est juste bah, comme si vous aviez le moteur qui était complètement bridé. Mais du coup, là, vous pouvez rien faire d'autre. Hein. Sincèrement, à part finir votre tour, il y a rien d'autre à faire. Donc on va le terminer pour finir notre tour, voilà, et finir les qualifications. Après, je vais vous montrer le mode course et on fera un petit test en mode championnat. Ça sera assez court comme vidéo, je préfère vous l'annoncer tout de suite. Il n'y a pas grand-chose à voir hein, pour ce genre de jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était assez surpris par FM Beyond the Limit, qui était sorti sur ma Mega CD, Mega 32, la Sega CD, il me semble, et la PC Engine. Et on l'avait testé, je crois, sur PC Engine. Bon, voilà, j'ai fini mon tour, mais c'est super long. Hein. Je pense que là, à la fin du tour, il reste plus que 100 mètres, 90. On est à fond. Et voilà. Du coup, le jeu s'arrête. Qualification over, et on va passer à la course. Quelle austérité, incroyable! Alors, du coup, on a fait le sixième temps. Alors, c'est impressionnant les écarts, mais bon, pourquoi pas? Une 27, une 28, une 30, une 31, une 33. Ok, une 39. Ouais, non, c'est quand même abusé. On a quasiment les 11 premiers qui se tiennent en 12 secondes. Ça va bien. Et derrière, c'est encore pire. Une 48 pour Anne Nuttall, je sais pas qui c'est, de l'équipe future, qui est en 1:48, donc il y a quasiment 20 secondes d'écart entre le premier et le dernier. C'est pas trop ça au niveau du réalisme. Alors il ne pleut pas, tant c'est bien.
Postérité sur 20. Allez, c'est parti. On est dans le feu d'action, départ de la course. Nous allons partir 6ème sur 22. Alors, je pense qu'il faut que je lance. Ouais, c'est bon. Oh là, et très bon départ du pilote. Bon, on va aller imaginer que c'est Benetton. Du pilote Benetton qui, du coup, est en 4ème position pour le moment. Alors, attention, devant, ça se. Ça a failli se toucher. On est déjà 2ème. On va essayer de rattraper le leader. Ouais, je suis à fond. On va essayer de pas se crasher. Et ben, c'est ce que j'ai fait, malheureusement. J'ai 16% de dommage. Va falloir faire attention quand même à pas trop se planter. On a une Ferrari qui nous est passée devant. Là, j'ai encore touché. Alors, évidemment, je ne peux pas changer de vue. On va devoir se contenter. Se contenter, et encore une fois, j'ai pas réussi à passer. Mais heureusement, on a fait un petit 360 en plein Monaco. Et du coup, nous allons pouvoir redépasser la Ferrari devant nous. Alors que devant, on a l'équipe, j'appellerais l'équipe cool. Puisque ça fait penser au team, je ne sais plus quel team d'IndyCar qui était verte, vertement et blanche à l'époque. J'ai 46% de dommage, hein, donc j'ai intérêt à faire gaffe. Alors, essayer de passer comme ça. Oui, c'est passé, incroyable! Et regardez, il prend la deuxième position dans le tunnel! Incroyable! voilà, donc bon, on est deuxième pour le moment. On est en difficulté average, donc en difficulté normale. Pour l'instant, ça va super bien. Alors, ce qui est marrant, voilà, c'est que vous avez quelques logos de certains personnages de la Team 17, mascotte de la Team 17. Les sponsors, bien entendu, sont des sponsors de la Team 17 et ce sont aussi des faux sponsors. Oh, bon sang, le son du jeu, le son de la. Le son des Formule 1 est vraiment très bas. Mais ça va dans la même option de voir si on peut pas changer ça au niveau de l'audio. Je crois pas, hein, d'ailleurs, mais. Pour l'instant, on est en tête, tout va bien. Alors, on est bientôt à la fin du deuxième tour ou du troisième tour, je sais plus. Voilà, 1,48. Et le tour est assez long, mine de rien. Allez, on va faire 4 tours, on va essayer de finir la course. Et après, on lancera le mode championnat. Alors, il est vrai que ça pique énormément. Oh, regardez, il y a une voiture qui était sur le bas-côté, pas mal, il y a des pilotes qui font des erreurs apparemment. Ah bah le petit détail qui est toujours plaisant. On va avoir une IA qui est invincible. Là elle fait des erreurs, là j'ai du mal à me remettre sur la piste, c'est bon. Mais voilà, on est en 2020 et vraiment j'ai profondément du mal à jouer à ce genre de jeu, voilà, simplement. Alors je le fais parce que c'est un jeu qui reste quand même pas mythique, mais qui est quand même assez connu. Donc voilà, on le fait quand même pour le découvrir. Mais vous comprenez pourquoi donc je ne fais pas beaucoup de jeux 16 bits, 8 bits sur la Formule 1. À la limite, je préfère faire d'autres jeux sur ces consoles que des jeux de Formule 1. Ou alors quoi, quand c'est sur portable et qu'il y a un petit comment dire. Un petit aspect exploit technique, c'est-à-dire de faire tourner ce genre de jeu par exemple sur des consoles qui ont très très peu de puissance. Après le jeu en lui-même là est assez fluide, hein, il n'y a pas de ralentissement, etc. J'ai d'ailleurs envie de vous montrer un autre jeu sorti sur Amiga, je sais même pas s'il a été officialisé ce jeu, il est sorti en 96 ou en 95. Et franchement ce jeu est plutôt joli, il y a même des reflets en temps réel sur la F1. Alors il n'y a pas de licence officielle, mais il est quand même plutôt réussi. J'aimerais un jour pouvoir vous le montrer. Sachant que ça fait très longtemps que j'essaie de vous montrer de l'Amiga. J'avais essayé déjà avec Formula One, avec Grand Prix, pardon, le premier Grand Prix sorti par MicroProse. Je voulais faire la version Amiga à la base et finalement on a fait la version DOS. Parce que l'Amiga, je n'ai jamais vraiment compris comment bien l'émuler, et c'est toujours une galère en fait. Là, ça se passe plutôt bien, et c'est plutôt cool. Je vais te faire attention. Ah, devant nous, devant nous. Ouh là là, j'ai l'impression d'en doubler une Forti. Une Forti dans sa version verte. Aïe aïe, regardez, on a touché. Et du coup, on a 63% de dégâts. Ah, ce qui risque de nous embêter, c'est vraiment les voitures qui prennent un tour.
C'est même pas le numéro 2. Ouais, c'est bon, c'est passé. On va aller chercher l'autre. En plein milieu de la route, voilà, c'est bon, c'est passé. Alors, bien évidemment, le fait d'avoir aussi à émuler un jeu Amiga, enfin, pouvoir jouer à un jeu Amiga, ça permet d'en jouer à d'autres. Peut-être plus facilement, donc à voir pour pour la prochaine vidéo. On est combien? On est toujours premier, il reste encore 2 tours à faire. Ouais, c'est pas très passionnant. Sincèrement, on va peut-être mettre l'IA un peu plus forte. Que ce soit réellement un challenge, parce que là, première course, bon. C'est pas très spectaculaire. J'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout de la course pour vous montrer s'il y a une petite animation, s'il y a quelque chose d'intéressant quand on gagne une course ou un petit podium. C'est souvent le cas à l'époque. Oh, attention. Oh, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Regardez, il y a du monde partout. Aïe 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 aïe. Ah oui, là, c'est très difficile à doubler. Le problème, c'est que je perds du temps à chaque fois et je pense qu'il y a derrière aussi. Voilà, je suis repassé deuxième. Ça a été assez rapide. Alors, est-ce que la difficulté, elle va résider ici? C'est-à-dire doubler les retardataires sans trop perdre de temps. En soi, ça ne m'étonnerait pas. Oh, il y a des voitures partout. Il y a des voitures partout. Oh là, on a accéléré, c'était chaud. Et on a reperdu la première place. Ah, finalement, je crois qu'on va pas gagner. Hein, parce que 4 tours comme ça dans ces conditions. Allez, ça va être compliqué, mais on va quand même essayer. Ah, 88%, je vais bientôt pouvoir rien faire. Alors pourquoi je dis rien faire? C'est à 89%. Parce que quand on atteint un certain truc, un certain pourcentage, je crois que c'est 90, et ben c'est mort. Ah, ben voilà, c'est fini. 100% de dommage. Et du coup, bah, c'est la fin. Race over. Donc, en gros, en fait, quand je parlais de difficulté, c'est même pas de finir le tour bien, c'est de pas se prendre les manuels. Et c'est très dommage. Bon, ça vous a raccourci la course. Du coup, on va faire un mode championnat. Allez. Oh, on n'a pas marqué de points. Donc, c'est comme en F1, hein. 10, 6, 4, 3, 2, en tout cas à l'époque, les 6 premiers marquent des points. On termine deuxième, dernier, pardon, mais il y a deux voitures qui ont abandonné. C'est bien ce que je pensais, j'avais vu une autre seconde voiture abandonnée en course. Donc finalement, le challenge il est là, hein, tout simplement, c'est pas se prendre les voitures, c'est pas forcément d'être rapide. Allez, on va revenir dans le menu principal, on va voir si y a les options pour le son quand même, et ensuite on fait le mode championnat, enfin on va faire juste une petite course comme ça. Voilà, practice, on va pas le faire, encore option. Les options sonores. Il n'y a pas d'option sonore. Quand même dommage. On va changer de voiture, tiens. Ah, prendre une Ferrari, ça fait plaisir aux gens. Normal, c'est bon. Ok, c'est bon. Et on va faire un championnat du monde. Donc championnat du monde, on peut choisir le circuit bien entendu. On va faire la phase de qualification, on va lancer tête la course. Donc premier Grand Prix en Afrique du Sud. Ce serait la saison 92 que cela ne m'étonnerait même pas en fait. Enfin 93 pardon, cela ne m'étonnerait pas. Et en 93 la saison commencée en Afrique du Sud. Alors c'est peut-être pas la première à commencer en Afrique du Sud, hein. Il me semble qu'il y a eu d'autres saisons comme ça. Je dis ça, c'est la saison 93, j'ai commencé en. Et du Sud, c'est pas la saison 92. En 92, elle a commencé en Brésil. Ah, petit souvenir, mais bon, après, vous me le rappellerez évidemment. Alors, j'aurais bien voulu voir la pluie. Pour l'instant, on la voit pas. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Départ moyen. Attention, pas tout taper. Oh là, il nous a mis dehors, c'est scandaleux! J'ai 5% de dommage, attention pas trop. Oh là là, regardez le départ c'est compliqué, hein. J'ai 19% de dommage. Oh, et c'est moi qui sors à chaque fois. C'est moi qui me fait toucher, c'est moi qui perds le. Alors on va essayer de dépasser la voiture rouge devant nous, la Forti de Flolo devant aussi. Aïe, on a encore tapé.
Alors si vous avez eu ce jeu, bien entendu, quand vous étiez gamin ou plus jeune ou ce que vous voulez, ou que vous voulez l'acheter aujourd'hui, effectivement, même si ça va être un peu compliqué de faire ça alors que c'est impossible de sortir, en tout cas chez nous, n'hésitez pas à donner des anecdotes sur ce jeu, bien entendu. Alors ça que je remarque aussi d'ailleurs en parlant de ça, regardez la voiture plus attentivement, il y a Aïe. On voit les roues tourner, bon jusque-là rien d'extraordinaire, mais on voit aussi la barre en fait qui soutient les roues tournées avec. Oh, il se met à pleuvoir. Alors qu'est-ce que ça va changer? Tiens, ça c'est intéressant. Ah, regardez, on commence à avoir de la pluie. Bon, pour l'instant, ça passe. Ah, et on s'est fait mettre dehors là, attention! Alors nous on a des gerbes d'eau, mais alors par contre il y en a pas du tout. Alors Swallow par contre je crois savoir ce que c'est les pages jaunes en fait, c'est Yellow Page en fait, c'était le sponsor qui était à l'époque sur le circuit de l'Afrique du Sud. Et il y a qui se décale hein, pour éviter qu'on se prenne qu'on les dépasse. Bon, on est quand même cinquième, donc c'est pas mal. Et on a même Bernie qui est son sponsor, incroyable. Cher Bernie Ecclestone. Et on a même Free à l'époque, l'opérateur qui était présent. Non, c'est faux, évidemment. Free n'existait pas à ce moment-là. À moins que ce soit pour Bernie Sanders. Non, je sais pas. Allez, donc on continue pour le moment. On a fait combien de tours là? On a fait qu'un tour. Alors, on sent un tout petit peu le bruit de l'eau. Bruit de la pluie, surtout. Et voilà, je vous dis, il allait se décaler, je m'y attendais. En fait, il faudra vraiment un temps de réaction énorme pour les éviter. C'est quelque chose que je vous ai pas dit, je ne sais pas comment freiner. Je ne peux pas le dépasser, je suis à 89% de dégâts, donc c'est quasiment mort. Oui, parce qu'à mon avis, faire 3 tours d'affilée sans se prendre une voiture. Ça va être super compliqué. C'est bon, on a réussi à le passer. Voilà, faut prendre les décisions au bon moment. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de musique. Franchement, des fois je critique les musiques dans les jeux de Formule 1, mais alors là, franchement, vu cette fameuse austérité en termes d'ambiance, ça aurait pas manqué quand même d'être intéressant d'avoir un petit peu de musique. Alors il y a quelques effets voilà, de montée et de descente quand même, on a quelques effets de dénivelé. C'était le cas d'ailleurs sur le circuit d'Afrique du Sud hein, qui avait un dénivelé assez prononcé. Que ce soit dans la descente après le début de la course, la petite remontée et au milieu du circuit la descente puis la remontée d'un coup. C'est un circuit qui était très intéressant pour ça. D'ailleurs, je pense qu'un jour il y aura à nouveau un Grand Prix en Afrique du Sud. Enfin, ça m'étonnerait pas. Alors, on en est encore loin, hein, mais ça va arriver. 91% de dommages. Je vais quand même aller à 300. Pour l'instant, ça va. Cette vidéo va finir en ASMR, je crois. Allez, troisième tour. Ouais, ça va être très compliqué, hein, sincèrement. Surtout quand il y a 91% de dommages et qu'on a à peine fait 3 tours sur 5. Et vous voyez, là, on a encore un autre jeu représenté sur le circuit. On peut le voir dans les panneaux d'affichage. Après le maniement est plutôt bon. Franchement, il est pas spécialement précis. C'était difficile à l'époque d'avoir une manivité aussi précise. Mais c'est assez correct. Franchement, tout bien fait. Donc là, on est en tête. Hein, je précise, on est premier. On pouvait le voir évidemment sur le HUD qui était énorme quand même. C'est dommage. Il y a énormément de surface perdue. Bon, après, je pense que vu les capacités de l'Amiga, ils auraient pas pu faire beaucoup plus d'objets à l'écran. Alors je sais ce qui est sur l'Amiga 500, hein. Quand même, je l'ai pas dit depuis le début. Ne vous fiez pas. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, j'ai touché, du coup on abandonne. Bon, en fait, je retire tout ce que j'ai dit du début jusqu'à la fin.
Le jeu est trop dur. Non, il n'est pas trop dur, mais il faut vraiment être calme. Voilà, il faut être posé. On sait que ça va passer, mais il faut être patient. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a encore manqué sur les deux courses. Donc, ben on va arriver jusqu'au menu du classement. Le classement. Donc, c'est Homme qui a gagné pour. J'appellerai désolé Penske, hein, tant qu'à faire. Et on est DNF, on a encore fini 20ème, et encore deux pilotes qui ont abandonné avant nous. Alors, est-ce qu'on a un classement général? Oui, on a un classement général, donc on est 7ème. Est-ce qu'on a un classement par team? Je pense pas. Bon, j'entends qu'il y a un classement par team, ça servira à rien. Voilà, donc encore un chargement. Voilà, donc la prochaine course aura lieu au Mexique. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo qui pour enfin vous aura plu. Donc c'était la première sur l'Amiga. Il y en aura d'autres, normalement. Bon, je dis pas quand évidemment, parce qu'on alterne un peu les consoles et les machines. Donc j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un jeu, ma foi, fort sympathique. Je pense que pour l'époque, ça aurait été un jeu correct. Voilà, même s'il a vraiment, vraiment très 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 mal vieilli, comme beaucoup de jeux de cette époque. Et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Tout le monde.